Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Fallout 4. Je suis le héros qui déjoue tous les pièges. Je suis le héros de ces dames. Je suis... Je suis le Brahmin, le plus lent du monde. Je suis la victime. Go, on continue. Alors je vous épargne un petit peu de... Hein, un petit peu de... Je remonte ma vie, hein, mais là c'est bon, j'en ai assez. J'ai assez remonté ma vie. Attendez, je tape un petit sauvegarde auto, hein, quand même, voilà. Sauvegarde rapide. Du principe, voilà. Ah bah, tunnel d'accès. Bon bah, c'était cool. Alors, on commence sur une petite phase de chargement. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel pour bien démarrer. Un petit peu de chargement, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Vraiment, on aime. Alors, c'est lugubre ici. On est bien dehors. Dehors, on voyait le pays un peu, tout ça, c'était bien. Pourquoi toujours prendre truc ? Oui, truc des humains, parce que bah, j'aime bien. Voilà. Voilà. Labs. Contrôle des tourelles. Non, bah non, moi, je vais me faire tirer dessus, moi. C'est fou. Contrôle des tourelles, non, pas du tout. Alors, on sait qu'il y a des tourelles. Bonne pioche. Tac, tac. On se remet en mode fufu. Ah, peut-être pas tout de suite. Peut-être que d'abord on va pouvoir récupérer une bricole ou deux. On va pouvoir se fabriquer un peu de bouffe si on veut. Non, ça m'intéresse pas. Pousse-toi, gros. C'est quoi ce bordel? J'ai déjà vu des bravis se déplacer plus rapidement que ce souffre-teur. Alors, j'en doute pour un. Je n'en doute point. Elles sont toutes activées? Elles sont toutes actives. Visiblement. Je veux ce côté-là, voilà, merci. Le moteur. Le pied, vas-y. Il faut toujours une explosion. Pour faire un bon spectacle. Ah, mais le problème, c'est que là, je... juste pour tester. Je tire dans le pilier ou pas? Non, même pas. Tiens. Très bien. Alors, on va essayer d'en exploser plusieurs d'un coup, non? Visiblement, le jeu n'est pas d'accord. J'aime bien dépouiller tes tourelles. Tu veux tout savoir. J'aime assez. L'idée me plaît bien. Échec, la colonie n'a pas pu se défendre. Incroyable. Tu m'apprends un truc là. Incroyable, incroyable. Et c'était tout? Il y a bien un explosif qui traîne là dans le coin. Ah, clé de la réserve du Nuka World. Si je peux le crocheter, je le crochette. Hein. Je pense qu'on nous laissera le crocheter, voilà ça. On nous laisse la possibilité de le crocheter au cas où justement les clés voleraient à travers le décor. Où personne n'arrive à les trouver. C'est bon. Voilà. Je peux donc les récupérer. Ah, c'est vrai que je t'en pas non plus que je crochette. Oh bah, 2 secondes. Ouais, tu vois pas que je bosse. Alors. Alors, je sens bien le labyrinthe avec des pièges. Bien qu'il commencerait à être original de nous lâcher des goules. Joli. On
On entend des trucs, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est puisque on a des bestioles. Des bestioles. Ghoul. Vu les petits bruits, je dirais ghoul. Déclencher quoi ce piège? Un truc incendiaire, je suppose. Il y aura une bombe artisanale, voilà, une mine. Si la médecine n'accélère pas, on va tous mourir d'ennui. Je n'en doute point. C'est nouveau ça. Impressionné. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme bestiole? Le râteau. Ah, capricieux, hein. Oh, c'est des nouvelles bestioles, ça. Radra infecté. D'accord. On se dépêche un peu. Hey, l'arbre. Ta vie ne m'intéresse pas, mec, ferme-la. Voilà. Merci pour l'XP gratuite, hein, d'ailleurs. On oublie trop souvent de le dire, hein, mais merci. Oui, mon Strong, ça arrive, calme-toi. On va le déglinguer, le mec. Sois pas pressé, ça va arriver. Pas de piège là-dedans. Original. Ah, si. Une bombe artisanale. Deux bombes artisanales. Et trois bombes artisanales. Pas plus? On a peut-être raté une au bout. On entend une tourelle. Strong doit vérifier Trip aussi. Non, c'est bon, je le fais. T'es caté. Ça va bien se passer. La tourelle doit être dans une autre salle. Bordel, les victoires turquies! Bouge-toi un peu, la victime! Ok. Ça, c'est cool. Alors, autre bombe artisanale que j'aurais oublié. Non, l'alien s'est réglé. On monte. Ok. Suivons le chemin. Suivons son petit chemin. Voilà, il est content. Il sert à rien, ton chemin. Si, non, peut-être. Là, des rades avec un émetteur de radiation, histoire de pouvoir one-shot quelqu'un avec des rades. Je sais pas ce que j'ai ramassé comme flingue, mais j'ai ramassé un flingue. On va passer aux choses sérieuses. Est-ce qu'il va survivre cette fois? Bah la réponse est oui, hein. Parce que bon, pour me tuer, il faudrait quand même quelque chose d'un peu plus solide. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, ça y est. Dis-moi tout. Ouais. Mais encore. T'aurais pu piéger la caisse de l'autre côté. Je suis déçu. Strong, faut que tu recules. Hein, là. Donc, ça va pas être possible de circuler là. Pas que je t'aime pas, mais. Ah, des têtes. Des têtes qui roulent, des têtes de mannequins. Du mannequin, pas de coffre. Ok.
Alors, quelque chose que je peux cibler? Une mine. Ils appellent ça une mine. Comme c'est mignon. Très charmant. Est-ce qu'ils en auraient posé une là que j'aurais pas vu? Non, on s'en fout. On s'en fout, on s'emmerde, c'est ça? Bon, allez. Allez, la petite, t'attends qu'on meurt de vieillesse ou quoi? Je peux faire tout ça en courant en plus, hein, comme un vieux sac, hein, si vraiment je suis un con. Ah oh, oui, on fait sauter les camions. Alors là, j'avoue. Non, j'avoue qu'il y a un gros charme. Hein. Un protectron galactron. Ah, on va laisser Strom me passer devant, merci. Il y en a plusieurs. Toute une armée de robots. Intéressant. Tu vas me les sortir ou... Ah, je veux que tu me les sortes. Hein. Je veux que tu me les sortes. Sinon, ça ne m'intéresse pas. De nouveaux modules de robots ont été débloqués. D'accord. Je savais qu'on aurait dû installer des tourelles là-dedans. Bah, je suis d'accord aussi. Voilà, c'est un peu mou du genou, mec. Hein. Hein. Bon, on voit bien ces mou du genou. C'est tout? C'est tout? De vulgaire mine? C'est tout! De vulgaire mine! Encore une petite mine droit devant. Et une petite mine ici. Bon, faut pas venir en touriste ici non plus. Hein. Vaut mieux avoir le skill, j'avoue, qui fait qu'on évite les pièges. Ça t'évite moult problèmes. Bah, je souffre pas grand chose, hein. Moi perso je suis content d'être là. Hein. Je gagne du pognon facile, des petits éléments ici et là. On est bien. Ça va pas coûter trop cher en bastos jusqu'ici. Un petit peu sur les tourelles, ça va. On s'y retrouve hein, en tout cas. Financièrement, ça reste un bon deal. Je veux bien revenir faire la prochaine saison. Hein. S'il y a une prochaine saison, bien sûr. Parce qu'à mon avis, mon gars, bientôt il n'y en aura pas d'autres saisons. Hein. Incessamment sous peu. Non mais sérieusement, sors-moi d'autres robots là. Non? Bon. Bah, si le monsieur veut pas sortir d'autres robots. Ah sympa la petite tasse. J'ai pas fait gaffe. Ah il y a un petit truc à piquer dedans évidemment. Quand on est accroupi, on ne voit pas tout. On voit surtout ce qui aura du sol. Il me prend pour un double. Lol. Il me prend tellement pour un mec qui connaît pas l'univers. Alors là en gros, faut pas tomber. Allez, la petite, t'attends qu'on meurt de vieillesse ou quoi? Moi j'ai envie de tomber. Ouais, c'est ça, hein. Moi j'ai envie de tomber, hein. Ah, vas-y, pour ça, j'espère qu'il n'ira pas mourir, Yuka. Peut-être tous les deux dos à moi. C'est exactement ça, c'est l'heure du casse-croûte quoi. C'est genre exactement ça quoi. Ah, laisse-moi le fouiller, merci. C'était exactement ça. Claude est trop content, waouh, je suis tombé dans le piège, la planche a cassé, youpi. Il est trop content quoi. C'est bizarre, on l'entend plus en se disant ah. Je sens que le mec est en train de s'arracher les cheveux. Putain, il est toujours pas mort. Ouais, ça va. Ah, Krag, bonjour. Plan de Krag. Oh, je veux voir ça. Je veux voir ça. Est-ce qu'on peut lire directement? Genre en zoomant dessus.
Non, faut que j'aille le lire, ok. Fusil d'assaut, dégâts accrus de sa compensation contre les ghouls. Ces ghouls. Ces ghouls. Le plan de Grag. Alors moi je veux connaître un plan de super mutant, je veux vraiment savoir comment ça se passe dans un plan de super mutant. Alors comment ça se développe, raconte-moi. Plan génial de Krag, en plus carrément un plan génial quoi. 1. Trouver parc de jeu des pillards. 2. Écrabouiller pillards. 3. Faire tambouille de cerveau. 4. Prendre tous les trucs bien. 5. Victoire de Krag. Attends, mais c'est trop bien, en plus on sent 5 points quoi. C'est un vrai plan stratégique, monté, réfléchi. On sent la complexité du move. Ah, bonjour. Elle est où la bestiole? Elle est où la bestiole? Elle est où la poulette? Dernier? Non, c'est juste un œuf le dernier. Ok. Comment, formidable. Mais non. Arrête de boire. Venez ici, venez ici, venez ici, parce que je vous vois plein. Mais l'autre? L'autre, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah là. On monte à la surface. Mais non, non, arrête de boire. On sait que c'est pas très toxique pour moi, je... Oh. Dépêche un peu, peu importe ce qu'on fait, la reine nous rattrape toujours à la fin. Bah, il est passé où mon Krabzouz que j'ai éclaté? Bah. Et c'est celui-là, non? Bah non. Il est où mon petit crabe? J'ai tué un petit crabe. Bon. J'ai dû le récup. J'ai dû le récup. On dira que je les récup. Ok. Donc endroit charmant. Lumière s'il vous plaît. On voit que dalle. Mm-hmm. Des morceaux d'êtres humains un peu partout. Ou pas d'ailleurs. Ou de pseudo-humains. Disons que ça avait une forme humanoïde, on dira. Pour être le plus sûr possible. Proto-humain. Proto-humain, c'est pas mal. C'est un beau terme. Si la victime n'accélère pas, on va tous mourir dans la vie. Ah bah ouais, mais bon, écoute, mec, moi, c'est pas mon problème. Hein. Je suis pas payé, là. Hein. Il est où, mon pognon? C'est quoi, le cash price? Je sais même pas. Voilà. Je participe à un truc, je connais même pas les conditions de participation, c'est pas pro. Eric, tu fais chier, elle devait être condamnée, cette porte. Bah oui, elle était condamnée. Mais je l'ai ouverte. Un peu triste, hein. Il est triste. Le pauvre, je lui casse le jeu. Il t'écoutait. Ah, même pas un petit coffre ici, là? Oh, je suis un peu déçu. Ah, un bon piège? Parfait. Il y avait quoi? Peut-être derrière la porte, le piège? Ok, il y a encore un autre piège. Là, il y a un ventilo. Là, il y a un moult grenade. Pas de grenade cachée derrière. Il y avait pas le... Une bombe, un truc qui me tire dessus, rien. C'était genre derrière, c'était les grenades quoi. Tout était raccordé à mon pote les grenades. Ah oui, d'accord. Ok. Et là, la douche de grenade que tu peux pas éviter parce qu'il en a mis partout. Génial. Moi je suis d'accord. C'est quoi ce bordel? J'ai déjà vu des bravis se déplacer plus rapidement sans souffre-douleur. Ah bah là, mon gars, crois-moi bien que tu vends l'émission la plus pourrie du monde, hein. T'es en train de vendre un truc, moi je demande d'être remboursé direct. Hein. Monsieur, il est même pas tendu. Genre là, le fil est devenu invisible. D'accord. Bon, je pense que je désamorce des faux pièges. C'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a plus rien dedans. C'est strong. Y'a pas une petite bombe calée quelque part? Va pas trop loin toi, parce que toi tu les déclenches les pièges, con. Quelqu'un se prend pour un vrai génie? On va le faire redescendre sur Terre. On va voir si notre victime arrive à couper le gaz avant de se faire. Oui. La réponse est oui, monsieur. Je laisse même pas parler, la réponse est oui. Oh ouais, t'es taquin là. Hein. Joli. Je prends vraiment des dégâts. Ouais, je prends des vrais dégâts.
Tourner quelques balles ne suffira pas. Ah bah ça douce son ton. J'avais un peu de sable dans les poumons, alors ça paraît tous un peu de sable. Ça y est. Vous ne faites que perdre du temps. Je vais m'éclater. Voilà. Il en reste encore ? Ah, j'ai pas vu ce qu'était le Glock. C'est un Glock légendaire. Vas-y, mec. Strong, rien trouvé. Peu parti. Ah, ça c'est de la viande par contre. C'est de la bonne viande, mec. Prends. Le terminal. Ouais. Tueur de rat de cafard, d'accord. D'accord. Ah, un ventilo. Très bien. Bon, coupons cette merde. Oui, bon, arrête de faire semblant. Ça nous fait rien. Ou quasiment rien. Qu'est-ce qu'on a en commun? On a deux lettres. Bon, là, zéro. Une. On a qu'une lettre là en commun. Donc ce n'est pas ça. Là, on a plus de deux lettres en commun. On en a genre trois. Donc ça va pas être ça. Embûche. Zéro lettre en commun. Est-ce que c'est le dernier? Shackles. J'y suis. Voilà. Vérifiez, je subis le statut de la turbine. Dans quel état est-elle? Contactez immédiatement le service maintenance. Ah bah oui, mais attendez, les mecs ils travaillent même pas bien. Vérifiez le statut du générateur. Tous les générateurs sont déconnectés. Statut du condensateur. Niveau d'eau sont sous la limite de sécurité. Contrôle la température introuvable. Contactez immédiatement le service de maintenance. Tous les employés. Il nous a été signalé que certains employés de nuit pénétraient dans le parc après sa fermeture. Cela est formellement interdit. Une telle infraction se soldera par un renvoi immédiat. Les employés qui doivent se rendre dans le parc hors des heures d'ouverture doivent fournir les papiers nécessaires, être habilités et sobres. Commande de la porte de sécurité. Mais non, je veux pas l'ouvrir, moi. Je pense qu'on peut la craquer. Ça m'intéresse pas. Je vais aller la craquer moi-même. Bon, alors. Autre chose, monsieur. Oh, mais arrête de tousser, tonton. Allez, la technique, t'attends qu'on dorme bien, quoi. Complètement. Je sortirai de là quand vous serez mort, puisque maintenant, je suis une goule, donc je ne peux pas mourir. Hein? Ah, mot de passe, d'accord. Bon, bah écoute, je prends le mot de passe. Intéressant. En plus, je suis sympa, je fais semblant de tousser pour maintenir ton show et tout, là. Faire genre, ouais, regardez, il va sûrement mourir à cette épreuve débile. Pas drôle. Bon, on n'y croit pas trop, en vrai. Mais bon. Oula. C'est trop rigolo. Ah non, mince, j'aurais pas dû. Ah non. Vous avez dit que ces balles ne servaient à rien. Et qui continue à se faire étouffer par le gaz? Sérieusement, il doit y avoir de quoi le couper, non? Ah, c'est peut-être pas là, c'est peut-être un peu plus loin. Hein. Là, visiblement, on a que de quoi ouvrir. Avance, gros. Avance. Avance. Voilà, merci. Et sinon, tu veux bien. Tac. Commande la porte de sécurité. Du coup, l'ouvrir, s'il te plaît. Parce que c'est une de ces fameuses portes lentes dont on ne peut rien faire d'autre que les craquer. Ah. Donc bah si elle servait à quelque chose, j'ai coupé le gaz. Il est con. Ça sert à rien. Bah si, j'ai coupé le gaz. Ça sert à quelque chose. Idiot. Ok. Je vais pas regarder, il y avait un truc là en bas. Un écran défoncé. Ah, il y a une caisse. Juste derrière la porte, il y a une caisse. Pour nous récompenser un peu de merdier. Bon, ça me va. Ok. Avançons. Local de maintenance de Nuka World. C'est, tout se passe dans les anciens bureaux et tout. Des employés, enfin les... Pas les anciens bureaux, c'est pas tout à fait les anciens bureaux, mais... dans le secteur de maintenance, quoi. Du coup, c'est rigolo, quoi. Le gars tout piégé. On est arrivé comment? Ah oui, on est arrivé d'abord par un grand bâtiment d'accès principal. Ok, et ouais, il a bouché l'entrée, d'accord. Ils ont rentré dans le local des... de maintenance des employés. Ok. Ouais.
Je me disais, mais attends, c'est bizarre, on n'est pas rentré. C'est quoi ce parc, on rentre directement dans la partie des employés? C'est quand même très étrange. C'est quand même très étrange. Non, c'est moi qui suis très étrange. Tout va bien. Tout va bien. Ça va bien se passer. Level 120, putain, ça avance moins vite, hein, les levels, hein, quand même. Hein. C'est pas un... les petits niveaux, difficile à gagner. Pika War. C'est quoi le titre de ce livre? J'ai même pas vu. The Official Nuka World Recipe Book. D'accord. Il y a tout dedans, quoi. Vas-y. Oh, petite victime, respire un bon. T'es prêt, tant que tu veux encore. Avec des fourmis, ça te cause ou pas? Les seins volants. Ah, ça slingue, hein. C'est l'heure de mourir. C'est tout. Strong commence tout juste. Elle est où la dernière fourmi? Ah, c'est barré. Ramène-toi. Et nouveau type de casse-croûte en plus, mon pote, hein. Moi, je le connaissais pas, ce casse-croûte-là, hein. On va se faire ça, mon gars, tu vas voir. Moi, je te prépare, je te promets un bon petit jus avec. Ça va être sympa, tu vas voir. On va vraiment se faire un truc cool. Génial. Et je porte, bien sûr, 1 milliard de trucs. Évidemment. Sinon, ce serait pas aussi drôle. La chair de fourmi, la chair de fourmi. Allez, la victime, t'attends qu'on meurt de vieillesse ou quoi? Moi, je veux prendre le gros Udada, monsieur. Le gros Udada, il donne plein de trucs. Je veux prendre le gros Udada. Ah, mais c'est une fourmilière, genre, on peut l'attaquer et tout ou pas, non? Non? Si on tape dedans, on fait sortir des... Non! C'est un élément de décor. Merci Bethesda, zéro fun. Les mecs, vous nous mettez genre une fourmilière parce que hashtag fourmi. Tout ça quoi. Mais en fait, non. Ouais. Donne-moi le paquet. Ça. Là, y'a rien à prendre. Lumière un peu. Parce qu'on voit que dalle. Oh, tiens, pour emmerder l'autre. Petite heure de sommeil. Le mec trop relou. Boston Bugle, un document technique, parfait. Des conneries de chez Nuka. Il y a une chaîne de l'autre côté. Ah, quand même. Quand même. Je me suis dit là, sinon, vraiment, on va trop guaquer le mec. Le gars va en avoir ras-le-bol. Je pense qu'il en a déjà bien ras-le-bol à ce stade-là. Hein. Parce que bon, résultat des courses, ces petites fourmis, grosse blague. C'est bien, ça permet de découvrir. Bon Dieu, on dirait qu'on va avoir un vainqueur aujourd'hui. Il est temps de faire participer le public. Ah mais il est là le public. Bonjour public. Public. Opérateur boucher, c'est rigolo ces gens. Boucher de la meute. Allez-y, moi je vous attends tranquillement. En vrai, on n'est pas pressé. Évite de bouger, Strong, dans la zone. N'accélère pas, on va tous mourir dans la vie. Bah ouais.
Ah, nouveau client. Nouveau client. Allô. Allô. Ah. Bon, éclairons un peu. Non mais bon là, oh, il faut savoir, tu veux te friter, tu veux te la coller ou pas? Tu veux te la coller là ou pas? Ferme-la. T'es rigolo, je peux taper dedans, ça, je t'ai fait envoler. J'attends les autres, hein. Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. Oh, je suis d'accord. Mais alors, un joli collier, s'il te plaît. C'est quoi ce machin? Je vois pas sa tête. Oui. Casse-croûte. Et où l'autre? Allô ? Allô ? Mais venez ! Les mecs n'ont aucun fun. Hein. Le public commence à participer, puis très vite, voilà, parce que je vais pas assez vite. Waouh, on s'ennuie. Pourquoi je peux pas le casser ? D'accord. Ok. Ils m'ont quand même bien amoché, hein, les cons, hein. Là, faudrait que je trouve un peu de radiation pour commencer à régénérer. Oui, bon, c'est bon, toi ferme-la là-bas. Hein. Voilà. Un bon combat. Repassons en mode ninja. N'empêche, les fusils très colorés, tout ça, j'ai l'impression que ça fait une petite dédicace discrète à Rage. Enfin, discrète. Pas du tout. Pas besoin de choses. Je suis complètement d'accord avec toi, mon grand. Si la agro, agro. Pas, agro, agro. On attendait au moins ce qu'il me fasse agro, agro un peu, quoi. Oui, oui. Allons-y. Piste de Colacars. De nouveaux décors, de nouvelles personnes, de belles rencontres en perspective. N'oubliez pas, Nuka World, c'est avant tout la famille. Placement de produits trop nul. Incroyable. Ça, vous connaissez ce son, pas vrai? Alors bougez-vous le cul et rejoignez Colacars au plus vite. Le clou du spectacle va bientôt commencer. Ouais, d'accord, mais... Là d'ailleurs, un petit truc pour moi? Strong obéit à toi. Un avis sur la situation? Toi, meilleur chef. Okay. Rien d'autre pour l'instant. Je voulais être sûr d'avoir ton avis. Et une sauvegarde automatique. Merci. Vraiment, ça me fait plaisir. Alors. Oh, je sens que je vais affronter un boss. Bonjour. Allô? C'est bon? Tout est bon chez Gage? Ouais, boss. Trop tôt. Va m'éteindre cette putain d'alarme. Ok, je m'en occupe. Bon, alors. Où est-ce que... Ah, voilà ma nouvelle victime. Bon, on dirait que ça va pas durer longtemps. Voilà comment ça fonctionne. Va t'équiper, rends-toi présentable et reviens ici qu'on offre un petit spectacle à tous ces gens. Un spectacle au cours duquel je décorerai les murs que tu vois là avec ta matière grise. Avec cette armure, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Moi. Tu te crois balèze parce que t'as réussi à arriver jusque là? Tu vas tomber de haut. Ok Gage, laisse-le passer. Quelque chose me dit que je vais me régaler. Allons-y. Régalons-nous alors. Moi, si je peux vous offrir du régal et du régala, on est content. Mais genre épique. On en est là, quoi. C'est bon. Parce que moi, je suis occupé à faire les. Le record de survie contre Colter est toujours d'une minute et 37 secondes. Ah. Entends un petit son d'ambiance qui commence à se mettre en place. Alors, si vous voulez y assister, vous avez intérêt à vous dépêcher. Alors. Les gradins se salut mec. Bon, écoutez-moi si vous voulez vous sentir vivant. Je n'ai qu'une minute. Cherchez l'intercom mural.
je vais faire vite. Ok. Ouais, je sais que vous êtes encore là. De nourriture. Non, moi je veux lire la lettre d'Anise, mec, ça m'intéresse énormément. C'était lettre, hein, c'est ça, lettre de suicide d'Anise. Raconte-nous tout, Anise. Aux gros cons qui m'ont piégé ici, j'en ai ma claque de votre petit jeu, je suis rentré dans votre arène à la con, et je suis arrivé jusqu'ici, mais j'arrête là, vous aurez pas votre bouquet final, ça vous plaît, de voir un type dans une armure assistée défoncer des gens sans défense? Bande de lâches, vous êtes vraiment des déchets de l'humanité, je vais me faire sauter la cervelle moi-même, merci bien. Et il y a une autre page vide. Allez, c'est la page vide. Gâchis de papier. Gâchis de papier. Gâchis de papier. Marcher sur un os. Vous avez des envies suicidaires ou quoi? Ah oui, bah oui, bah lui c'est un bonhomme en os, évidemment. Oui, 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 bon, moi j'ai des envies suicidaires, t'inquiète pas, ton armure assistée, allez, je vais la casser. On perd du temps là. Ah oui, on perd du temps, bah oui, je sais qu'on perd du temps. Moi je suis là pour les faire chier avant toute chose, hein, donc on va pas se presser, ouais, hein. Je sais que vous êtes encore là. Bah non, je ne suis pas là, y'a personne. Assiste qu'on répond, lui dit, y'a personne. Bon, on y va, oui ou non? Non, on n'y va pas, tu m'emmerdes, tu patientes. Attendra que j'ai le temps de te répondre. Bon, on y va, oui ou non? Bingo. Ah, le coupe-soif! Oh, 999 pistolets à eau. Un pistolet à eau, pourquoi pas? Je rigole s'il y a un cas particulier où on peut s'en servir. Genre, tu fais rouiller un machin avec deux. En balançant de l'autre. Vous avez des envies suicidaires ou quoi? Non. Je suis un mec posé. Je prends une pause avec mes potes. Allez, là, il y a Roger. Là, il y a Philippe. Billy. Francis, Patrick, Jean-Pascal, et les autres. Mais c'est moi mes potes, c'est plus les potes de mes potes, tu vois. Mais c'est les autres. Vous avez des envies suicidaires ou quoi? Un minigun. Ah ouais. Oh là là. Ouais. Je sais que vous êtes encore là. Non. On va l'ignorer. Moi j'ai envie de l'ignorer pour l'instant. Ouais. Je sais que vous êtes encore là. Je pense que je suis là. Je suis pas là. Allez, on perd du temps là. Oh ouais, c'est cool hein. Ça me va. Hein. La perte de temps, c'est mon fonds de commerce, mec. Vous avez des envies. Je passe des choses par là, vas-y, je t'écoute. Yes. Je suis celui qui va vous permettre de rester en vie. Alors écoutez-moi. Allez-y, je vous écoute. Brave petit. Écoutez, si vous avez réussi à arriver jusque-là, c'est que vous savez vous débrouiller. Mais le combat qui vous attend est truqué. Vous savez, le grand Manitou Colter, son armure assistée est réglée de sorte à absorber la puissance du réseau électrique de l'arène. Ça le rend carrément invincible. Vos prédécesseurs ont tout essayé. Minigun, grenade, rien. Pas une égratignure. Vous commencez à piger ce que je veux vous dire? Ah ouais, j'ai compris, une balle de sniper dans l'œil, ça marche. Je m'attendais à ce genre d'entourloupe de la part d'un pillard. Ah. Je vois que vous nous connaissez. Vous voulez gagner? J'ai planqué une arme dans un casier. Allez la chercher. Je l'ai déjà, c'est bon, je peux y aller. Je dois bien reconnaître que j'aurais jamais cru que ça vous mettrait autant en joie d'apprendre qu'un pistolet à eau est votre seule chance de vous en tirer. Ouais, ouais, je sais de quoi ça a l'air. Vous allez devoir me faire confiance, ok? Ça ne marchera pas. Ce pistolet n'est qu'un jouet. Faites-moi confiance, ça va le faire. Je suis pas con à ce point, quand même. Dès que l'eau touchera l'armure assistée à alimentation électrique de Colter, elle causera un court-circuit. Ça bousillera ses défenses et vous aurez le temps de lui infliger des dégâts avant qu'elle se recharge. Si vous le dégommez, je vous promets que ça vous paiera de tout le temps que vous avez passé dans l'arène. C'est comme si c'était fait. J'aime ce genre de discours. Bon allez, c'est l'heure. Je vais ouvrir la porte. On se retrouve de l'autre côté. Cool. Un vrai pistolet à eau qui sert vraiment à quelque chose, ça c'est trop cool. Ça c'est trop cool, il est où le pistolet à eau? Attends, il était par là, je l'ai vu en termes de skin. Le coupe-soif, voilà. Le coupe-soif, gros swag. On peut faire un petit pipi avant parce que moi je suis quelqu'un un peu stressé, mais bon, les toilettes ont pas l'air... voilà, c'est pas l'air dingue. Ah si, on peut taper une petite sieste, attends. Petite sieste. Ah, les mecs, ça va bientôt faire 24 heures qu'ils sont là, qu'ils attendent que je me pointe. Ils vont péter un boulard. Mais ils en auront pour leur pognon. Je vais déglinguer leur boss. C'est pas rien. Ouais.
pas pourquoi chef prend ordure. Manie des humains, peut-être. Bah, c'est pas peut-être, c'est une manie d'humain. Bon. Ça, c'est fait. La puissance de la reine a chuté de 30%. D'accord, j'ai pas eu le temps d'entendre la suite. Comment ça, la puissance de la reine a chuté? Êtes-vous prêt à avoir coulé le sang? Le truc encore en récup? Super. Zoom. Oh ouais, vas-y. Vas-y, ramène-toi. Est-ce que je peux te shooter comme ça, genre en mode? Voilà, c'est très rigolo. Moi, je dans l'idée. Où est mon vrai flingue? Bon allez, on va bourrer. Oh, peut-être pas le buste, hein. Je pense qu'il y a d'autres coins qu'on peut peut-être bourrer. Je voudrais avoir son dos. Ah, il veut pas me donner son dos, le salaud. Bon bah on va lui avoir une jambe. On va lui avoir... C'est bon, j'ai son dos. Est-ce que je peux avoir éventuellement dans ces cas-là sa tête? En fait, dans le dos, il n'y a rien à viser. Tête. Ah, mais j'ai plus rien. Attends. Je réutilise mon coupe-soie. Bouge pas, mec. J'arrive. Faudrait que je me serve un jour des raccourcis. Ah, c'est bon. Trop rigolo le pistolet à eau. Génial, j'espère qu'on pourra le recharger. Ah, désolé Strong. Vraiment, c'est moi qui t'en ai collé une. Ah, prends un petit steam pack et ça repart, c'est vraiment mon cadeau. Bethesda. Non mais c'est pas ça. Ah, oh, je veux me servir du raccourci alors que je m'en sers pas. Ah voilà, c'est... Voilà, une petite instabilité logicielle, monsieur. Comment ça se passe? Il l'a fini. GG. Beau gosse. Beau gosse. Moi ça à poil. Ah, j'ai pas vu c'est quoi le truc légendaire. Mais c'était légendaire. Qu'est-ce que c'était qui était légendaire? C'était une arme ou pas? Fusil d'assaut anti-ghoul, je pense pas que c'était ça. Hein. Je pense que ça devait être vraiment un truc légendaire, mais genre vraiment. Vacillement. Chance de faire vaciller une cible à l'impact, je pense pas non plus que c'était ça. Ça devait être une armure. Ça devait être une pièce d'armure. Bah non. C'était une des armes là que j'avais. Ça devait être donc le fusil d'assaut, je pense. Du coup. Ah si, c'est ça. Le plastron du grand Manitou. D'accord.
Ok, inflige des dégâts d'énergie aux ennemis à proximité. Oh, c'est pété comme armure assistée. Bah, j'ai envoyé votre boss sucré. Tout le monde, Colter est mort. Oh, t'es stylé. Ce type, t'es sûr, Gage? J'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Hé, on a déjà parlé. Il a survécu à l'armée. Il a été assez malin pour suivre mes conseils et assez fort pour tuer Colter. Il est exactement ce qu'il nous faut. Alors si on montrait plutôt un minimum de respect à notre nouveau chef, hein? Il sera respecté quand il le méritera. On est d'accord. J'ai plombé la moitié de votre tribu. Calmez-vous, là. D'accord, d'accord. Maintenant, sortez de là. Je vais vous montrer qui est le chef, ici. D'accord. Bah, ouvre. Ouvre, connard. Qu'est-ce que je vous avais dit? Comme sur des roulettes. C'est grâce à vous. C'était un bon plan. Et en plus, ça a marché. Je sais bien que vous comprenez pas ce qui se passe et que tout arrive bien trop vite. Mais vous devez m'écouter. Se débarrasser de Colter, c'était pas une décision prise à la légère. Ça faisait un moment que certains d'entre nous y pensaient. Maintenant qu'il est mort, la place de Grand Manitou est vacante. Et devinez quoi? Vous venez d'en hériter. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire confiance et de tenter le coup. Je vous jure que ça en vaut la peine. Disons juste que vous avez réussi à éveiller mon intérêt. Tant mieux. Alors, écoutez-moi bien parce que j'ai des tas de trucs à vous dire. Il y a 3 gangs de pillards qui mènent la barque à New Coward. Les disciples, les opérateurs et la meute. Et oui, des fois que leurs noms vous suffisent pas pour le comprendre, ces types ne sont pas des pillards comme les autres. C'est tout sauf des enfants de cœur, même entre eux, à cause de Colter. Cet endroit est un baril de poudre qui n'attend qu'une seule chose, exploser. Au moindre faux pas, on aura un bain de sang sur les mains. Je crois que vous êtes capable de changer les choses et d'empêcher ces gangs de se déchirer. Ça a l'air marrant. Vous pouvez compter sur moi. C'est ce que je voulais entendre. Maintenant, j'imagine que vous avez un paquet de questions à poser. Mais c'est pas l'endroit, ni le moment. Retrouvez-moi au fief du Grand Manitou, vos nouveaux quartiers. Le restaurant qui surplombe le Mont Pétillant. On pourra y causer. Je vais vous ouvrir la porte. Voilà. Cool. Moi qui m'attendais à un endroit désert, guerre, champ de bataille. C'était un petit tour. Voilà. Ça me paraît bien. Ça me paraît être un bon endroit. Ah, toi aussi, t'es trop fait pour emporter plus. On va garder nos petites conversations pour nous, si ça vous dérange pas. Oh, ça me dérange pas. Retrouvez-moi dans les quartiers du coup. Le Nuka World, d'accord. Je suis un enfant. On va finir quand même de fouiller les lieux parce que ça se fait, hein. On va pas faire ça. Brochure du parc. D'accord. On va toutes les prendre, ouais. Évidemment. Excusez-moi. Évidemment, il me paraissait tout à fait logique de toutes les prendre. C'est nécessaire, on sait pas, hein, on sait pas. On aura peut-être besoin, à un moment donné, on va peut-être nous demander 15 brochures, on sait pas. Index des messages. Résultat de l'inspection de sécurité. À tous, nous devons faire preuve de plus de vigilance lors de nos vérifications de fin de journée. Godwin a trouvé 3 ceintures complètement distendues, dont une à moitié arrachée. La dernière chose dont on a besoin, c'est d'un enfant qui se retrouverait projeté sur le sol de l'arène pendant que les voitures roulent. Ça empire de plus en plus. Godwin me fait la vie dure, donc je vais vous faire la vie dure. Si ça continue, je vais devoir faire un exemple de l'un d'entre vous. Alors reprenons et faisons en sorte que ça n'arrive pas. Rob, Nira, lorsque vous êtes approché par des gens ayant des questions à propos du parc, n'oubliez pas de les rediriger vers Nira. En plus d'être la mascotte de notre parc, elle est aussi une excellente source d'informations. De plus, nous voulons qu'un maximum de gens participent à notre passionnant défi de collection de médailles du parc. Nos sondages ont indiqué à maintes reprises qu'il s'agit d'une des activités préférées du public, non seulement parce que ça les redirige vers nos meilleures attractions, mais aussi parce qu'ils sont récompensés. Les gens qui participent à la recherche des médailles du parc ont tendance à avoir un score de satisfaction plus élevé. Alors donnons à tous la chance de tirer le maximum de leur aventure Nuka World, JCB.
Le concours d'images cachées de Capi et vous. Ces derniers jours, nous avons reçu des rapports troublants concernant les agissements d'employés du parc vis-à-vis du règlement de la chasse au trésor de Capi. Au cas où ces écarts seraient dus à un manque de clarté sur les comportements acceptables ou non, prière de bien vouloir lire ce message attentivement. En aucune circonstance, un employé du parc ne doit donner l'indice ou de conseil à un visiteur du parc concernant la position d'une image cachée de Capi. Si un tel comportement était observé et signalé, des sanctions seraient prises et pourront aller jusqu'au renvoi de l'employé incriminé. La meilleure façon de répondre à ce genre de questions est d'encourager la persévérance. De par sa nature, ce concours est difficile et sa récompense unique. Cette récompense doit être obtenue à force d'assiduité et d'observation de la part de nos invités, pas par tricherie ou favoritisme de la part de nos employés. Merci de votre coopération, T. O'Connor, directeur des ressources humaines. Quantum, Quantum, Quantum. C'est une période passionnante pour nous tous. Nuka Cola Quantum est enfin disponible à la vente avec un goût parmi les plus uniques que nous avons créé et une apparence visuelle qui flatte la rétine. On peut vraiment être fier de nous. J'encourage tout le monde à s'impliquer dans cet événement majeur en promouvant Nuka Cola Quantum à chaque opportunité qui se présentera. Faites découvrir à notre public à quel point vous trouvez irrésistible le goût de notre boisson et faites-leur goûter aussi vite que possible. Nous avons un inventaire considérable à déplacer, mais plus important encore, nous voulons donner la meilleure impression possible et cette opportunité ne frappera qu'une seule fois. Les employés qui feront preuve d'un enthousiasme communicatif envers Nuka Cola Quantum recevront un petit bonus, alors allez-y et méritez-le. Grâce à votre aide, je sais que nous parviendrons à faire de ce produit le meilleur lancement de l'histoire de Nuka Cola Corporation. Fermeture lundi et mardi, n'oubliez pas que nous serons fermés lundi et mardi la semaine prochaine en raison d'une maintenance électrique. Ceux d'entre vous qui n'ont pas été réassignés peuvent rester chez eux et avant que vous le demandiez, non, ce n'est pas une journée de repos payée, désolé. J'espère que vous profiterez tout de même de cette pause, on se revoit mercredi. Ok, rapport de maintenance. Destruction. Planning des employés. Destruction. Au revoir. Oui, tout péta. Tout péta, c'est la règle. On péta tout. Ça n'a jamais changé. On est toujours dans ce concept. Dis donc, qu'est-ce que c'est devenu calme, hein, comme quoi. Bon, les pillards... Les pillards, c'est pas le fun. Hein. Eux, après un bon match, avec des morts, du sang, tout ça, on picole pas, on baisse pas, on s'emmerde, quoi. Tout le monde rentre chez soi. Demain, j'ai boulot, métro, tout ça, quoi. Dis donc, la mort du fun, quoi. Et ben, on va faire le tour intégral. On va faire le tour intégral et je vais mettre fin à cette vidéo. Hein, donc, bien entendu, si ça ne vous intéresse plus, prendre le siège Radgori. Lol. Non, mais. Non. Non. Comment je. Comme ça. Lol. On dirait qu'il se fait plaisir avec mon fion. Bref. Chut. Continuons. Allez, oh. Vidéo tout public, hein, normalement. Alors, on se calme. On se calme, voilà. Mais bon, vous y avez pensé. Opérateur, c'est pas difficile. Nous, on sait comment vivre. Les autres gangs, ils savent plutôt mourir. Hein. Alors, grand Manitou, on sème la pagaille. J'adore. Pousse-toi, il y a de la picole là. Donne-moi la picole. On n'est pas censé faire du mal aux autres gangs. Le truc, c'est de les mener en bateau pour qu'ils se nuisent mutuellement. M'en fous, y a pas un barman ici, quelqu'un qui, voilà, qu'on peut vendre ou acheter de la picole, là. Voilà. Les mecs, c'est tous des fonctionnaires, ils sont tous rentrés chez eux, quoi. Ils sont deux, là, ils ferment la boutique, ils s'en vont, quoi. Waouh. C'était les deux balayeurs du crew. Voilà. Vous venez de rencontrer les balayeurs du crew, c'est génial. Vous auriez pu mettre quand même un bon petit coup de balai par terre, hein. sans abuser, je pense que ça se faisait. Hein. Ouais, on pète à tout, hein. Tout. Tout, parce que s'il y a du craft à faire, des colonies, j'ai rien. Enfin, j'ai rien. Si, j'ai déjà tout le merdier que j'ai sur le dos, en vrai. Et croyez-moi que c'est déjà pas mal. Oui, le plan du parc, on adore. Pour sans plus souvenir. Ok.
Ah, fusée miniature, bien sûr. La fleur aimantée. Ah, de l'eau. L'eau, c'est bien. L'eau, c'est bien. L'eau, c'est bien. Ça permet de fabriquer des bons trucs. Pas parce que c'est bon pour la santé, hein. Ça permet de fabriquer des bons trucs. Très différent. D'accord. Grosse ambiance, hein. Grosse ambiance dégueulasse. Enfin, des pillards, quoi. T'es rigolo, toi. T'es rigolo. T'es rigolo. Très rigolo. D'accord. Et ça, c'était la passerelle pour y accéder. Je suis un prince, voyons. Bande de cul. Alors. Ben, ça, c'est pas mal. C'est une caméra ou un pseudo truc, ça. Ok, et après on sort. Donc on a fait le tour, on a fait le tour. Il faut absolument que je grimpe sur ce bâtiment. J'ai tué des gens, je veux récupérer leur matos. J'ai vu des fusils d'assaut colorés. Ça m'interrompt. Je suis d'accord. Allez, ramène-toi, mec. Bah, sur ce, je vous remercie. C'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.